Bonjour à tous, aujourd'hui pour le FPFP Challenge, j'ai rendez-vous avec une référence du tennis français. Je vous laisse découvrir qui c'est, en attendant je file dans le vestiaire le rejoindre. Salut Paul-Henri. Salut Julien. Ça va? Ouais, ça va, écoute, en forme, je sors de l'entraînement et j'espère que tu as pris ta raquette. Non, j'ai jamais été très bon, le sport de raquette. On est là pour parler environnement aujourd'hui. Toi, quel geste au quotidien tu fais? Bah, on essaie de faire plein de petits gestes au quotidien avec la famille, déjà sur notre manière de consommer. On trie nos déchets aussi. On a supprimé le maximum de plastique à la maison. On n'a plus de bouteilles en plastique, on a chacun nos gourdes. Très bien. On a une petite surprise pour toi. On a une jeune fille qui nous a envoyé une vidéo qui a un défi. On va voir si tu es capable Super. De le relever. Merci. Bonjour, je m'appelle Capucine et j'ai 11 ans. Je suis une fan de tennis et j'ai un défi pour toi, Paul-Henri. Est-ce que tu es capable de prendre une douche le temps d'une chanson? Génial, je pense que je peux relever le défi de Capucine. T'as une chanson en tête, un style musical J'ai une petite idée, mais je te laisse la surprise. Je m'attendais pas à ce genre de musique. Plus qu'une minute. C'est bon, j'arrive. Bravo, défi relevé. Merci. Juste à temps. Capucine va être contente, hein? Ouais, content d'avoir relevé le défi de Capucine. Est-ce que tu savais qu'en France, on consommait 143 litres d'eau par jour et par habitant? C'est énorme. Ouais, énorme. C'est pour ça que chaque geste compte, comme tu disais tout à l'heure. Merci beaucoup pour ta participation. Avec plaisir. À vous maintenant de prendre le réflexe avant d'entrer sous la douche, de lancer une chanson et d'en sortir juste avant la fin. On se retrouve très vite avec un nouveau sportif pour un nouveau challenge. Salut Paul-Henri. Salut Julien.